à la fois atterré, en colère, dépité par rapport aux propos qu'on a vu révélés dans la presse suite à la réunion du président Monteil. On peut pas, on est obligé de se mettre à la place des mères qui ont des enfants atteints de bronchiolite, des gens qui sont dans les bouchons, et du manque de considération sur justement les politiques de transport sur le territoire comme une réponse au problème sur la qualité de l'air. Nous, ce que l'on veut, c'est un moratoire sur les routes. Il y a un plan départemental avec 432 millions d'euros sur les routes. C'est totalement inepte, c'est contraire à tout ce qui est en train de se passer sur les villes européennes. Annecy sera bientôt une des seules villes de France à ne pas avoir un réseau de tramway. C'est totalement absurde de vouloir absolument développer un transport du 20e siècle au 21e siècle, surtout compte tenu de l'évolution démographique en Haute-Savoie et d'un nombre de voitures qui sera de plus en plus important. Donc on est en train de créer des bouchons supplémentaires en créant de nouvelles voies.